Pour la suite, c'est juste les différentes vis. Donc, là, je vais vous montrer. Quand vous retirez un plastique, essayez de regarder s'il n'y a pas des petites encoches prévues pour pouvoir le soulever. Vous tirez dessus. Si vous voyez que ça force, cherchez pas à forcer. C'est qu'il y a quelque chose qui le retient. Par exemple, ici, il y a une vis. Vous passez le doigt dessus et vous sentez qu'il y a un petit enfoncement. D'ailleurs, sur celle-ci, il y a écrit que c'est la garantie. Si vous abîmez cette étiquette-là, votre ordinateur n'est plus garanti. Donc, comme là, il est plus garanti, je sais que dessous, il y a une vis. Pas facile à voir, voilà. Et c'est elle qui m'embête tout le démontage. Vous voyez, après, on passe dessous, vous voyez, ça vient tout seul. Donc, c'était juste cette vis-là. Ne jamais forcer. Donc voilà, vous avez accès au ventilateur. Si vous voulez le nettoyer. Vous voyez, là, il est plein de poussière. Aux barrettes de mémoire. Donc si vous voulez les changer, enfin, en mettre des plus performantes. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu, je vais peut-être aller un peu vite. Les encoches sont assez simples. C'est sur les côtés. Vous déboîtez. Et elle se lève toute seule. Pour mettre, c'est pareil. Vous mettez bien, faites attention à cette encoche-là. Vous mettez là et vous enfoncez. Voilà. Dès qu'il y a le clip, c'est bon. Et encore un peu plus sur la gauche. En général, ici, c'est la carte Wi-Fi. Voilà. C'est tout pour cette deuxième partie.